60 ans, ça n'arrive qu'une fois aussi, il faut faire quelque chose pour pouvoir raconter ça à tes petits-enfants un jour. Dans ce coin-là, c'est plutôt les vélos de route, vous voyez, on les voit au fond là. Ici, c'est le home trainer quand il pleut et que la piste est fermée, ça arrive. Et puis là, j'ai la bête de course. Et je trouvais marrant de le faire en année olympique, c'est comme ça que c'est parti. Et moi, je suis plutôt d'une famille, mes parents m'ont toujours éduqué avec plutôt des réponses du type « pourquoi pas ?» plutôt que « pourquoi ?». Je suis né à Calais et mon père était passionné de voile. Bon, mais j'ai commencé du coup à naviguer sur un petit bateau qui s'appelle l'Optimiste vers l'âge de 8 ans. Rêve olympique, il démarre tout petit. Après sport-études, après ça m'ouvre des possibilités. Et puis équipe de France de laser. Et puis ça devient possible, les Jeux olympiques. Être à base de deux répétitions de 8 minutes à allure de course. Et ça, c'est en gros pour fatiguer l'organisme. C'est un phénomène que les scientifiques appellent la surcompensation. Le casque, c'est important, le casque. Toujours le casque en vélo. Il faut réussir à toujours penser à sa position, parce qu'elle n'est pas confortable, puisqu'on est couché sur l'avant, c'est pas très confortable pour pédaler. Et puis en ce qui me concerne aussi, penser à la trajectoire. Toujours rester sur cette ligne noire, pas faire de faute de pilotage pour monter et avoir des kilomètres à parcourir en plus. Donc c'est à ça que moi je vais penser et je vais essayer de ne pas me faire prendre par la douleur parce que c'est une souffrance, hein, une heure à fond la caisse. Le piste ! Le but qu'on va avoir en bord de piste, ça va être de donner ses temps autour. Et quand il va être dans le dur, il va falloir gueuler un peu fort bord de piste pour réussir à le garder dans le rythme et aller chercher ce beau record. Première 20 minutes comme il faut, dans le planning, et deuxième, j'ai pas réussi à relancer la machine pour prendre les dixièmes que je devais reprendre. Donc, je suis assez content. Et puis en fait, c'était une occasion pour moi de faire venir tous mes potes pour fêter mes 60 ans. J'aurais tendu un piège en fait, j'aurais dit, je vais essayer de battre le record du monde, donc ils sont tous venus. Et comme ça, je vais tous les voir.